Rockin' Joseph's on the porch and his... Non, il n'est pas tard. Non, je ne suis pas fatigué. Alors bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Et bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Bonsoir, c'est exact. Mais bon, comme la vidéo va arriver mardi matin, pour vous, bonjour. Suite de cette deuxième partie de vidéo, parce que comme je vous ai dit dans la première partie, elle était beaucoup trop longue, donc on a décidé de faire deux parties. C'était ouais, pas pour faire durer le suspense, ouais, hein, non, voilà. Que, sinon elle aurait duré une heure. D'accord. Donc voilà. Tout de suite maintenant, on l'entraîne tout refaire. Mais on l'avait déjà fait, mais comme vous avez pas voulu la revoir cette vidéo avec la 360. Du coup, on a tout arrêté. Ouais, non, mais vous aviez raison. De toute façon, c'était vraiment moche à voir. Ça faisait mal aux yeux. C'était trop bizarre. Ouais, on a testé. Donc, la caméra est là. Elle est emballée. Demain, retour chez Darty. Et comme ça, on n'en parle plus. Ok. On va vous montrer la suite de la petite remorque à Théo. Parce que je trouvais ça chouette. Bah, d'ailleurs, je vous en dis pas plus. Regardez, c'est mignon comme tout. Et je vous mets la vidéo maintenant. Ouais. Théo, qui est toujours en train de faire ses petits plans, mais cette fois-ci à l'échelle. Donc un petit carré, c'est 20 cm. Il s'est fait une petite douche, un évier, tout ça. Et on a vu, tiens, il nous a dit qu'il voulait un four. Du coup, Charlotte lui demande... Qu'est-ce que tu vas faire avec ton four? Je vais cuire des pizzas, je vais cuire des quiches, je vais vous faire des petits gâteaux dès que vous viendrez. Tu nous feras des petits gâteaux quand on viendra prendre le goûter? Oh, c'est trop cool. C'est mignon. Ouais, mais comment on fait si on est loin? Ah, bah, c'est le problème des nomades. On fera moins de route. Ah d'accord, ok. Puis on viendra, on se retrouvera, puis on passera un petit week-end ensemble. On ira à la pêche au bulot ensemble. Pourquoi tu rigoles? J'aime pas les bulots. C'est des petits mollusques. Non, j'ai dit ça comme ça. En plus, on n'en mange pas. Ok, bon, ben, on te laisse continuer ton petit plan et puis on verra ça plus tard, plus en détail. Et c'est une remorque alors. Qui fait quelle taille extérieure? Une remorque de 4 mètres sur... 2 mètres, je crois, c'est ça? Je crois qu'on est à 2 mètres 30. 1 mètre... Non. On est à 2 mètres 20, c'est une petite remorque. Voilà. Bon, on te laisse finir ton aménagement, on verra ça plus tard, ok? Vous avez vu? C'est mignon, hein? C'est mignon tout plein. Et il a pas fini, il est souvent en train d'en refaire et tout. Il a mis son chapeau. Lucas, il se balade, il met le bob sur lui, c'est trop mignon. C'est dommage qu'on ait pas pu le filmer, ouais, là. Regardez, c'est avec le chapeau. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets le chapeau? Bah t'essayes plutôt. Gaga, mets le chapeau. Non, pas. Ah voilà, c'est trop mignon. Bon allez, on se dépêche. On se dépêche, on va pas y arriver. Bah oui, mais on est distrait par les enfants. Voilà, donc, sinon, on va vous présenter nos nouveaux produits. Ah, bah vas-y, prépare-les, j'ai 2-3 petites choses à dire si tu veux. Là, on va vous présenter les produits qu'on vient de faire. Vous avez vu les t-shirts dans la première partie de vidéo. On va vous faire voir d'autres choses. Et ensuite, Charlotte est en train de faire une page Facebook qui est déjà commencée, bah, qu'elle est encore en train de... Elle est en travaux, on va dire. Où vous pourrez retrouver tous les produits. On en parlera vraiment de temps en temps sur les vidéos YouTube. Comme ça, ça n'empiètera pas trop sur nos vidéos à nous perso. Enfin, voilà. On en parlera de temps en temps pour vous dire les nouveaux produits. Puis après, il faudra nous passer les commandes. Si vous savez ce que vous voulez, vous passez directement les commandes sur notre adresse mail. thevadroyerforever@gmail.com. Ou alors, vous irez sur la petite page Facebook à Charlotte, et là, vous avez une photo de chaque produit, avec une petite description, les tarifs, et tout le tralala. Voilà. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu avais à nous présenter, Charlotte? Cette petite ardoise, magnifique, avec deux petits supports en plastique. Fais voir mon support, s'il te plaît. Voilà. Bon, il y en a deux. Ça vous permet... Je vais mettre le deuxième. Ça vous permet d'avoir une petite ardoise, que vous posez sur un meuble. Voilà. Donc ça, c'est assez mignon. On voulait pas les floquer The Vadroyer Forever parce que je trouvais ça plus beau avec des photos de vous, en fait. Si vous avez une photo des petits-enfants, des enfants, une photo de vous en amoureux. Personnalisé, quoi. Voilà, je trouve que ça ressemble à un cadre photo, je trouve que ça pourrait faire chouette. Donc on en a deux, n'hésitez pas si vous avez des photos à faire floquer. On vous les floquera, grand plaisir, avec grand plaisir. Donc sinon, je vous remontre vite fait notre petit t-shirt. Avec le flash devant, le The Vadrouilleur derrière,
Sachez qu'il ne reste plus que 1 en M et 3 en L parce qu'on a déjà vendu. Même sans les mettre en annonce, on a déjà vendu. Donc c'est trop cool. Avec sa petite citation personnelle. Voilà. Depuis que j'ai le t-shirt vadrouilleur en ma possession, ma vie a retrouvé tout son sens. Je me sens mieux, je rigole de nouveau avec mes amis au travail, avec mon mari, ça va mieux. Tout va mieux depuis que j'ai le t-shirt de Vadrouilleur Forever. Quand je vais pas bien, que le ciel est gris, je mets mon t-shirt The Vadrouilleur Forever et ma journée s'illumine. Du coup, ma vie devient soleil. N'oubliez pas, ce t-shirt The Vadrouilleur Forever est là pour vous et pour vous illuminer. N'hésitez pas, car il n'y en a plus beaucoup. Respire. C'était bien dit ? Ouais, je crois que je vais l'engager, non, pour faire ma com. Non, mais c'est, vous le mettez tout de suite, c'est... Oh, je me sens bien, mais je me sens bien, et vous avez tout qui... Oh. C'est vraiment bien. Donc voilà. Ah, ensuite, ma petite Charlotte. Nous avons une petite plaque. Ma petite quoi ? Ma petite Charlotte. Bah super. Bah quoi ? Mon petit chouchou ? Ouais, tu m'appelles. Allez, jamais. Ma petite chouchou. Il m'appelle jamais mais Charlotte. Mais non, mais c'est parce que je faisais le vendeur. Ouais, il se tape la honte, il m'appelle jamais Charlotte. C'est parce que je faisais le vendeur. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, nous allons voir cette petite plaque. Petite Ta-da plaque qui fait quand même 29 par 30, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou 28 par 30. Voilà, c'est une planche à découper en verre trempé. Oh, 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 oh. Bah, d'ailleurs, on avait peur quand on l'a floqué parce que 200 secondes à 200 degrés, on était comme ça. Ça a pété, ça a pété. Non, c'était fait exprès, ça a pas pété. Donc voilà, cette petite plaque est à vendre. 25 euros. N'hésitez pas pour les fêtes. Découpez vos produits en pensant aux The Vadrouilleur Forever qui, eux, seront en Laponie dans le froid. Avec des galères à moins 30 degrés, pendant ce temps-là, vous serez en train de couper pourquoi vos courgettes et faire votre confit d'oignon. Attends, je l'arrange parce qu'avec les enfants... Ou alors découper vos figues. C'est chouette. Bon, sûrement qu'ils vont découper du foie gras et de la dinde dessus. Pas grave, hein. C'est ça que ça sert. Hein. Ensuite, nous avons toujours nos petits sacs shopping. Nos mugs. Et c'est tout ce qu'on avait à faire voir. Les tapis de souris, vous les avez vus, vous les connaissez. Donc voilà ce qu'il en est. C'était vraiment une petite parenthèse sur nos nouveaux produits et normalement on devrait avoir des plaques en aluminium, imitation comme vous avez derrière. Voilà, ça s'appelle des plaques American. Donc voilà, vous aurez ça. Et normalement il y aura des suites. Alors il faut me dire ce que vous en pensez. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des suites. Du coup j'ai regardé. Sachez que ce n'est pas donné. Parce que j'ai pas envie d'acheter des suites entre guillemets de crotte. Donc j'ai trouvé des suites super bien, genre 330 grammes avec du molleton à l'intérieur, ouais, trop chouette. Et bah voilà, si on les vend, ça sera pas loin de 60 euros le suite. Mmh. Hein. Mais bon, c'est pas le petit pull, hein. C'est pas un truc ouais, comme c'est ça. C'est vraiment le suite avec c'est la grosse suite. Vous savez un peu comme ma doudoune Sea Shepherd là. Vous voyez, avec voilà, la c'est tout molleton à l'intérieur. Ça fait un peu comme mon suite Sea Shepherd. Mmh. Donc voilà, si ça vous intéresse à ce prix-là, ou alors si vous préférez avoir des petits suites à 30 euros, voilà, c'est faut me le dire ce que vous préférez. Mais ouais, petit suite à 30 euros, voilà. Je pense qu'il y en aura quand même, mais c'est pas évident de trouver en bonne qualité. Bah donc, c'est que c'est plus léger, quoi. Voilà, c'est, comme voilà. C'est l'hiver arrive. Donc on a ces beaux petits switches, ils vont être terribles, je suis sûr. Donc voilà, cette petite parenthèse. Moi je voulais préciser aussi sur les... Je sais pas si tu l'as dit dans l'ancienne vidéo, la vidéo de dimanche. On va pas passer notre temps aussi non plus à présenter tous les produits à chaque fois sur la chaîne YouTube. Vous inquiétez pas, là c'est le début, ça va pas c'est devenir normal, hein. Une chaîne pour vendre mes produits. Ouais, on nous a dit ça. Voilà, mais ça va être juste, bah, franchement, c'est un autre moyen de communication pour en parler. Donc forcément, pas à chaque vidéo, mais presque, on mettra un petit truc de quelques minutes. Il y aura des petits clins d'œil, c'est normal. Il y aura des petits clins d'œil, c'est normal. Et voilà. Comme Jérémy l'a dit tout à l'heure, il y aura les autres réseaux pour me contacter. Voilà, c'est ça. Vous aurez toute la présentation des produits sur la page Facebook qui sera dédiée, qui s'appelle... J'ai oublié. The Vadrouilleur Shop. The Vadrouilleur Shop. The Vadrouilleur Shop. Voilà, ça c'est fait exprès. On en a fait tellement aussi des noms pour retrouver. Ouais, c'est pour ça, c'est ça le truc. The Vadrouilleur Shop. On a un abonné qui est passé nous voir. Ah, trop cool. On a bien discuté, il s'appelle Jambon, de son pseudo, et on a bien discuté tout ça, c'était cool, on a passé super quoi, gentil. Deux heures à discuter, c'était super sympa, il nous a acheté des petits mugs, tout ça, ouais. C'était cool. Eh ben je vais faire un petit café, je vous mets la vidéo d'ailleurs, regardez, j'ai filmé. Et quand on parle trop vite sur les directs, les gens ils viennent. On a un abonné qui est venu, Il est là. Et du coup je suis en train de lui préparer un petit café. Voilà, tranquillement, on est comme ça, comme à la maison. Bah, par contre, si tous les abonnés viennent d'un coup, on est mal. Hein. J'aurais pas assez de café. Comprenez ? Donc voilà, c'est trop cool. C'est sympa, on papote un petit peu, et puis voilà, on se rend compte, et
ça fait plaisir. Et moi, je voir des gens voir mettre des têtes sur des, sur des noms, des visages sur des noms, c'est excellent, quoi. C'est trop excellent. Donc moi, j'attends, je vais poser la question, mais comment, pourquoi nous, pourquoi vous nous avez regardé, pourquoi, enfin, voilà, c'est intéressant tout ça. Vous voyez, c'est cool, hein. Donc c'est sympa quand vous venez nous dire bonjour, comme ça, bah, nous, on est contents. Ouais, c'est ça fait plaisir. On va vous parler aussi un peu de la rencontre. Ouais. Parce que... Ouais. Du coup, bah, le camping est réservé, ça y est. Donc pour le week-end du 27 et 28 octobre. Donc le bois madame, hein, comme c'était prévu, comme celui où on a parlé. La dame très gentille, elle va nous faire elle va nous prêter un frigo, je crois qu'elle ouais, nous a dit. Ouais, c'est super emballé. Ah ouais, il y aura un frigo, je vais vous brancher si vous avez des choses à mettre et tout. Si on veut faire une grande tablée, il y a un abri, un espèce de petit préau. Il n'y a pas de problème, on casera tout le monde, ne vous inquiétez pas, verra, super gentil. On paiera, vous paierez tout de suite sur place. Ouais, on ne va pas s'embêter sympa. Avec les réservations. Comme ça, vous venez pas, c'est pas grave. Au moins, ceux qui seront là-bas, ils paieront sur place leur camping. Et puis voilà. Et je suis en train de me renseigner pour trouver la remorque qui ferait les fouets et tout ça. Donc je vais rappeler demain parce que là, c'était le week-end, j'ai pas trop voulu appeler. J'ai cherché un peu, mais c'est que je retrouve plus le. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça et je sais que c'est je sais que c'est bon. Faut qu'on arrive à retrouver. Ah lui. Mais si. Enfin bref, on va pas passer le temps là-dessus, mais on va réussir à le retrouver. Là tout à l'heure, je vais m'en souvenir. Donc voilà. Donc sachez qu'on a déjà prévenu. On est déjà pas loin d'une trentaine. Ça continue d'augmenter tout doucement. Bah, une trentaine, non, on est pas loin de 40. On n'est pas loin de 40. 40 personnes. 40 personnes. Donc, ça fait déjà pas loin de 15 véhicules. 15, c'est ça, entre 15 et 20 véhicules. Donc ça, on va se faire dépasser par les événements. On va devoir changer de non, de non, non, on va rester là. Moi, j'ai envie d'y aller dans ce petit terrain. Ça va être chouette. Ouais, non, ça va être chouette. Donc voilà, on continue à vous tenir régulièrement au courant de l'avancée de cette petite rencontre, du nombre de personnes. On va vous confirmer pour les fouets, tout ça. En sachant qu'il y a toujours l'événement qui est sur Facebook, hein, où vous pouvez nous dire en privé si vous venez, le nombre de personnes surtout. Et voilà. Voilà, surtout n'hésitez pas. Après, je pense que tu avais aussi un truc à dire sur nos titres de vidéo. Ah oui, on a eu énormément de messages, d'encouragement et comment on dit, vous nous envoyez énormément de messages pour nous dire « Ah, c'est génial ce que vous faites, ne changez pas, vous avez peur qu'on change et tout ». Mais nous, du coup, ça nous fait peur, comme je vous avais déjà dit. Et aussi que nos titres, ils étaient, c'était bien parce qu'ils étaient en rapport avec nos vidéos. Mais moi, ça m'a un peu surpris, honnêtement, parce que des fois, je mets des petits titres un peu, un peu marrants, mais justement, c'est pour vous donner l'eau à la bouche. Mais c'est toujours en rapport. Voilà, quoi. Ça se passe dans la vidéo. Et si je mets, on a été dans un parc d'attractions, bah, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et apparemment, ça vous plaît pas trop quand il y a des titres racoleurs et qu'au final, on voit pas dans les vidéos. Mais je vous rassure, moi, le premier, hein, quand je vois une vidéo sur YouTube où ils me mettent, il y a ça qui s'est passé, je me suis fait casser la figure. On m'a volé ma voiture, puis vous mettez la vidéo au bout de 20 minutes, il ne s'est rien passé de ce qu'ils ont dit dans le titre. Ça, il n'y a rien de plus chiant. Donc ça restera si. On est comme on est, on est naturel, on est comme ça dans la vie de tous les jours. Mes titres, ils sont simples, je n'essaie pas de faire de... Je ne fais pas non plus la course aux abonnés. C'est que je veux qu'on augmente en abonnés, ça je le dis, je m'en cache pas. Mais je préfère que ça mette du temps, plutôt que de faire des gros titres racoleurs et tout, pour que les gens ils arrivent en masse, et voilà. C'est pas du tout ce que je recherche. Donc ça, je voulais vous éclaircir le sujet, vous inquiétez pas, on va pas changer, voilà, on reste comme on est. Et encore une fois, merci pour vos petits messages qui sont sympas, qu'on reçoit tous les jours. C'est vraiment adorable. Donc vraiment, merci pour tous vos messages, parce que vraiment, c'est vraiment top. Je pense qu'on vous remerciera jamais autant, parce que franchement, on vous remerciera jamais assez. On vous remerciera jamais autant, voilà, ça va rien dire. T'es couché, toi. N'importe quoi. Je vous dis, moi, passer une heure, c'est une catastrophe. Déjà que je parle mal à la base. Alors, passer. Non, tu parles pas mal à la base. Moi, je parle mal. Non, tu devrais dire. Déjà que depuis que je suis avec Jérémy, je parle mal. Et du coup, passer 22 heures, c'est mort. J'ai dit soit n'importe quoi, soit je. Soit je bafouille, c'est une catastrophe. Donc là, il est temps d'aller au lit. Et donc vraiment, donc on vous remerciera jamais assez. C'est vraiment touchant, c'est vraiment non mais sans chouette, non mais c'est vrai. Là. Et c'est vraiment, vous êtes vraiment des amours, vraiment ça fait plaisir à entendre quoi. On vous aime. D'ailleurs, excuse-moi, tu voulais dire un truc. Non. D'ailleurs, juste suite à ça, justement, pareil, toujours des abonnés et tout.
et des produits. On va revenir un peu dessus quelques petites secondes. Il y a beaucoup il y a quelques abonnés qui ont reçu mes produits et qui nous ont envoyé leurs photos en privé. D'ailleurs, donc, chose que vous êtes obligé de faire. Ouais, attention. C'est une obligation. Il faut jouer le jeu. Mais après, il y en a qui veulent pas passer à l'écran. Oui, voilà. Si vous envoyez juste une photo de votre mug avec votre bras, votre camion à côté si vous êtes roucher, ou votre camping-car, et puis c'est chouette quoi. Et du coup, on va vous montrer tout de suite là les photos de nos abonnés. Et les stickers arrivent dans pas longtemps. Ouais, normalement début de semaine. Ah, donc, ça va être trop chouette ça. On a un camping-car qui arrive. Non mais on n'arrête pas à cette heure-là de venir de camping-car, 21h quand même. Hein ? Sors de là ! Sors de là ! Allez ! Voilà. Donc du coup, et là, ah ouais, t'imagines, je pète un câble. C'est combien ça coûte, c'est un œil yes, hein ? Il est floqué sur des mugs et des tapis de souris, toi tu rentres dedans ? Mais c'est quoi ce boulot ? Ça se trouve sa femme est dehors en train de lui guider en tant que guérir. Excusez-nous. Donc au final, donc les stickers arrivent bientôt. Et allez. Ah, peut-être fermer la fenêtre. C'est des étrangers, je voulais dire une connerie, mais je sais, je crois que c'est des Allemands, je ne sais pas moi. A Gandenzo-Charschneid. Je ne veux pas parler allemand, moi. Je ne connais pas cette langue. Mais tais-toi, ça se fait pas français. Ah bon? Du coup. Allez, on vous fait des gros bisous. Mais non, on n'a pas fini. Ah bon? Mais quoi? Non, on est en train de dire qu'on va montrer nos abonnés en photo avec nos produits. Mais oui, mais j'allais dire allez, bisous. Et là, on vous met en boucle les photos de nos abonnés avec leur... Ah, tu boucles avec ça? Ouais, on boucle avec... Ah d'accord, ok. On vous fait la boucle. La boucle est bouclée sur cette deuxième partie vidéo. Il n'y en aura pas de troisième, il n'y en aura pas de première. Si, il y en a une première. Il n'y en aura pas de troisième, il n'y en aura pas de quatrième. Il n'y aura que la troisième. Non, il n'y aura que la deuxième. C'est ça? Voilà. La boucle est bouclée. Je vais aller me coucher. Tout de suite, nous vous mettons les photos de nos abonnés. Vous comprenez pourquoi je suis fatiguée. Avec leurs produits. On vous fait des gros bisous. Merci pour vos photos. On vous aime. Grâce à vous, nous sommes riches. Avec tous les produits que nous avons vendus en une semaine, on a pu s'acheter un nouveau bus. On vous le présentera dans la prochaine vidéo. Et c'est pas des titres racoleurs. Quoi? Allez, arrête, tu fatigues. J'ai réussi à acheter un pneu. C'est ça, à peu près. Voilà. Mais c'est un bon début. Voilà. Allez, bisous à tous. Allez, chutez-toi. Comment dire au revoir en bon moment? Bunten tag. Non, c'est pas ça qu'on disait à l'école. Je sais plus. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt, nos amours.